Bonjour à tous, nous voici dans la deuxième vidéo consacrée au blues en mi. Je vous réfère à la première vidéo pour voir vraiment la base de ce blues. Et là, aujourd'hui, on va essayer de faire des montées et descentes pour arriver aux nouveaux accords. On écoute ça. Explication. Donc comme dans la vidéo précédente, donc on a toujours la même structure, on commence avec 4 accords de mi, en croche, ternaire, sauf que à la quatrième mesure, ce qui va changer, c'est qu'on va passer du mi au la avec une montée chromatique. Donc, alors la montée chromatique, on va donc quatrième mesure, mi, mi, fa dièse, deuxième case, sol, sol, sol dièse, pour arriver au la. Ça fait ça, mesure 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. On refait 3, 4, mi, mi, fa, fa, sol, 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 la. Donc là, on a deux mesures de la. Et à la fin de la deuxième mesure de la, sur le dernier temps, on va faire une petite descente diatonique. Donc, sol, fa dièse, pour arriver sur le mi. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Quand j'ai ralenti exprès, évidemment, il ne faudra pas ralentir. Donc, troisième case, deuxième case. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Donc là, on arrive encore sur une succession de deux mesures de mi. Et à la fin de la deuxième mesure de mi, on va amener le si avec une montée chromatique. Là, la dièse si sur le quatrième temps. Donc ça fait les deux dernières, les deux dernières mesures de mi. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Donc là, on a une mesure en si. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Donc là, on va appuyer sur la dièse, première case, pour amener du si au la. Il faut qu'on ait au la. 1 et 2 et 3 et quatrième temps, troisième case, la même descente que tout à l'heure pour arriver sur le mi. On continue, il reste une, donc le mi plus une mesure, le si. 1 et 2 et 3 et quatrième temps, la, la dièse, si pour arriver sur le si. Et on va encore, on va ce coup-ci, pour finir, faire 1 et 2 et 3 et la, corde de la, sol, mi. Donc soit on finit sur le mi, soit on refait la boucle de blues comme ça plusieurs fois. Voilà. Donc n'hésitez pas à revoir le début de la vidéo pour vous entraîner en même temps que moi. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu pour m'encourager. Et je mettrai la tablature en commentaire en bas. Donc, à bientôt.